J'ai pas lancé de VOD. Oh, c'est en anglais. Bonjour la VOD, on est sur la découverte de Genshin, pardon, Impact. Excusez-moi, je suis une professionnelle. C'est en anglais, je sais pas pourquoi. Je croyais que c'était en japonais de base. Je pense que ça va faire saigner des oreilles les gens. Et je viens à peine de lancer, je découvre Genshin, voilà. Et non, on ne me paye pas. Bah, on ne me paye pas. J'aimerais bien. Ah, le chat. Ce type de DA, ça, j'en parlais tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça évolue bien. Ah oui, il faut que je choisisse. Ça, je me rappelais, je l'avais fait la seule fois où j'ai joué. Alors voilà, on va un petit peu en profiter. J'ai déjà joué à Genshin il y a longtemps, quand il est sorti, quasiment, le jeu. J'avais choisi, effectivement. J'avais fait que quelques trucs et c'est tout. Et du coup, c'est pour ça que je reprends à zéro avec un compte tout neuf, voilà. Et je connais un tout petit peu les débuts. Un peu de tram à faire, mais ça peut valoir le coup. Ouais, non, mais complètement. De toute façon, si tu vas sur Paris faire un truc, tu auras forcément des transports, à moins que t'aies la chance d'avoir un truc collé, mais c'est rare, quoi. Alors, les deux, ça joue clavier-souris, te permet de jouer plus de persos. Clavier-souris, c'est plus simple? D'accord. Oubliez que les scènes, c'était si beau. Mais c'est beau, hein, carrément, hein. Alors, bon, moi, je prends toujours les nanas. Voilà. Entrez votre nom. Ah, faut que j'entre mon nom à moi? Genre, c'est le nom du perso? C'est le nom de moi? Genre, si je mets ça, mon perso s'appellera comme ça tout le temps? Ok, hein. Ils ont retravaillé les scènes? Ah bon? C'est vrai que c'est très beau, hein. Oui, c'est ça. Ok. Et... ouais, allez, hein, ça me semble bien. Hein. Donc, on tient au moins un caractère. Un culox, c'est plusieurs caractères. On contient des mots interdits. Ça va être compliqué. Bon, ok. On va tenter lox, alors. Attendez, Lox contient des mots interdits? Tu... le nom contient des mots interdits? Dans Lox, il y a des termes interdits? C'est-à-dire qu'on peut pas te dire mon pseudo dans le jeu? Je reteste, hein. Contient des mots interdits. Mais... Lox TV. Ça va être horrible. Contient des mots interdits. Si, mais couille. Est-ce que ça contient des mots interdits? Là, tu as le droit. Là, c'est considéré comme une insulte. Ok. Et si je mets flox? Ah bah non, ça va pas marcher non plus. Je sais pas, va falloir mettre... Draculox alors, mais c'est le premier que j'ai mis, Grision. Faut suivre, s'il te plaît. Faut suivre. Non, ça marche pas, Draculox. Draculouze. Draculouze, ça peut être pas mal. Ça se trouve, c'est pas Dracu qui pose problème, mais Lox. Le E de Lox. Il faut pas le E dans Lox. What the fuck? Ok. Alors attendez, on va voir si ça marche. Non plus. Ok. Comme ça, écrit à l'arrache. Lox... ah bah non. L'oxymore, mais comme ça. Bien. Ok, donc non, pas de Lox, hein. Vraiment, ça... L-O-X, ça ne veut pas. Ah, c'est L-O-X qui veut pas. Je croyais que c'était le E qui posait problème. Ah, ah ouais, donc ça fait vachement de termes. Ok.
C'est con parce que c'est 90% de mon pseudo, L-O-X quand même. Ah ouais, caractère spécial, j'avoue. Oh non, mais c'est dégueu les caractères spéciaux. Lox avec un 0. Ok. Reste le E tout seul, voilà. Ça, je peux, ça. Oh, bordel. Mais qu'est-ce que... Va trouver des dérivés du pseudo-lox sans le L, le O et le X. Caractère spéciaux, t'es pas obligé. Non, non, mais c'est que... Non, c'est pas ça... C'est pas ça, c'est mettre par exemple un 0, un caractère spécial à la place du O ou des trucs comme ça. Lox, oh non mais c'est horrible. Exol, ouais Exol, allez. La chie. Rigzo. Je suis déçue. Non, c'est Lox à l'envers, Exol, ça le fait aussi. GG, t'as mis ton nom. Merci, c'est rapide. Très belle la cinématique, enfin j'aime beaucoup. Du coup, il y a une méchante, elle nous a séparé moi et mon frère. Et ben merci. Some kind of seal was cast upon me. Une lettre, ça fait exil, exactement. Ou exode. So whilst we used to cross world after world, we are now trapped here. Y a pas de... Bon, je pense que j'ai la réponse, mais y a pas de doublage français. I don't know. But I... Ouais, en verlan, c'est bien, ouais. After I awoke, I was all alone. Right up until I met you 2 months ago. Yeah, Paimon really owes you for that. Otherwise, Paimon likely would have drowned. Oh, cette voix. Je ne t'aime pas, toi. Je me rappelle que je t'aimais pas. J'aimais pas parce que tu parlais trop aigu et tu parlais beaucoup. Et pourquoi je suis suivie par un enfant habillé très court? Pardon, j'arrête de râler. Pas de FR. Putaise! Madeline, qu'est-ce qu'elle en fait là? Ok. Alors, attendez. Attendez. Je pense. Qu'on va quand même mettre les voix en japonais. C'est un jeu coréen ou c'est un jeu japonais? C'est un jeu japonais. J'ai toujours eu ça en tête, mais je me trompe peut-être. Hein. Ah, faut re-télécharger un pack! Pas le choix, elle parle beaucoup. Ouais. C'est un jeu chinois. Ah oui, d'accord. C'est un jeu chinois. Je devrais peut-être me mettre en chinois, du coup, pour le RP. Même si le style est clairement... ils sont habillés plus Japon. Dans le style. Mais c'est un jeu chinois, c'est vrai. Coucou, silence. Bon, bah voilà. Bonjour. Du coup, VOD, vous avez... J'ai lancé une VOD vraiment pour une intro, pour un pseudo qui rentre pas, et maintenant pour un téléchargement. C'est parfait. C'est parfait. En tout cas, même si j'ai déjà joué, je connais rien du tout. Lox version Team Mank, oui. Mais j'ai pas besoin de mon Go XLR pour le faire. Mais je peux faire Go XLR plus, ma voix. Du coup, ça ferait genre... Ça ferait genre comme ça. Et puis je peux faire encore plus et tout comme ça. Donc ça ferait genre... Oh non, ça j'ai pas écrit du tout. Ça serait comme ça, genre... Genre là, c'est très très dur. Là, c'est version pinade, quoi. Voilà. C'est vraiment aigu, quand même, hein. Moi, j'aime bien, mais c'est fort aigu, quoi. Genre, si je crie, j'explose une fenêtre, quoi. Hop là. Voilà. Certains persos, la voix chinoise est mieux, et d'autres jap est mieux. Par contre, l'anglais, je supporte pas. Est-ce que c'est vraiment parce que le doublage anglais n'est pas terrible? Je sais pas, moi. Je pense que c'est plus un conditionnement qu'on a tous, quoi. Moi, je voudrais que le jeu soit en français, de toute façon. Donc, c'est version Sip Mec. Mais oui, non, mais j'essaie, mais vous connaissez ma voix. Bon, Papa Youn, moins. Mais silence connaît cette voix, quand même, je pense. Ça va, Papa Youn? Je comprends rien. Ouais.
c'est vrai, moi aussi. Oh non, mais vérification des, des fichiers, des chiffiers. J'ai encore super pas trop dormi cette nuit, désolée. Je vais galérer. Par rapport aux animations du... Oui, c'est ça, elles font animer, je pense, c'est ça. C'est tout à fait ça, ça fait bizarre en anglais, on s'imaginerait pas ce type de graphisme avec des voix anglaises, enfin des voix anglophones, des doublages anglophones. Voilà. Oui, me tapez-vous, lax et chat, chat compris, lox et chat... Oh, punaise, j'ai dit lax et chat au lieu de lox et chat compris. Voilà, c'est compliqué. Souhaitez-vous changer la langue de doublage? Let's go. Ok, on va voir en japonais. C'est parti pour du Genshin. Du coup, je vais faire le tuto et après on va fouiller dans les paramètres. C'est très joli! Bon, je le découvre pas parce que je l'ai vu en stream que c'était joli, puis j'avais dit... Oh, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a de la pêche? Il y a de la pêche dans le jeu. Est-ce que la pêche a un intérêt? Oh, je l'espère. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. C'est un type de graphisme qui, moi, marche trop bien. Sur moi. J'aime trop. Un type de DA. On sait pas. Oui, à la pêche, oui! Alors là, franchement, là je kiffe. La Sensi. Oh combat. Attendez, la Sensi, il faut que je règle un peu ça. Ah mince. Je crois que j'avais quitté. On va faire ça rapidement. Bon, tout est. Tout a l'air déjà logique. Prendre, interagir, c'est F. Moi, j'aime pas que ce soit F. Je pense que je vais mettre ma. Truc de souris. Oh, je peux pas. Ah mince, je peux pas mettre ma souris. Bah ben, tant pis. Tant pis, ce sera F. Je trouve ça toujours plus pratique sur la souris, évidemment. Contrôle. Hop là. Je pense, hein. C'est peut-être un peu excessif, on va voir. Ouf. Non, ça va. Pas si excessif. Il y a de la musique dans le jeu de temps en temps ou il faut être dans des zones spéciales? Ah, mais l'épée, elle flotte dans mon dos? Comment elle fait l'épée? Non, parce que moi, au niveau des reflets pour le Pokémon que je suis en train de faire le mercredi, je suis pas sûre à 100%. Bon, gars. Ok, qu'est-ce qu'on fait? Approche. Aucun résultat pour cette catégorie. Hein? Ah, j'ai fait G, je crois. J'ai pas fait F. Ouvrez la carte du monde par le biais de la mini-map, mi-carte en haut à gauche de votre écran. Sélectionnez un point de téléportation pour vous téléporter à l'endroit désiré. Oui. Je vais me téléporter là où mon frère a été kidnappé, comme ça je le retrouve, fin du game. Je peux pas. Oui, mais c'est ça aussi. Hein. C'était ça aussi qui m'avait, j'avoue, un peu refroidi. C'est que moi, j'ai très fan de Breath of the Wild et c'est vrai que... T'as juste l'impression d'être dans le même jeu, mais avec un peu plus, beaucoup plus de boobs. Mais c'est bon. Je suis passée par-delà cet a priori. Ça va mieux. Elle est encore plus aiguë en japonais, hein. Attendez. Ouais, je pense ça, ce sera bien. Bref, oui, bref, Bibon, exactement. Rip les cinématiques. Quoi? Ça compte pour les cinématiques aussi? Non, mais l'autre, je vais pas me taper. Je vais vraiment de... Enfin, là, on est sur de l'ultrason, hein. Genre, en fait, vraiment, à l'intérieur du tympan, je sens que je souffre. C'est... Ah, elle est lisse, ça. Oh, je vais loot. Ça sert à quelque chose de looter des fleurs?
Je pense qu'on n'entendra pas les gens parler dans les cinématiques. Franchement, on va tester. De toute façon, les cinématiques de Genshin, le début, je pense que vous les avez déjà tous vues. Moi, j'ai déjà vu les premières. Voilà. Cinéma muet. Peut-être pas plus mal, hein. Franchement, peut-être pas... Moi, je conserve vos tympans. Excusez-moi de penser à vous. Tu crames ton endurance, tu vas mourir. Ouais, je joue à Breath of the Wild, c'est pareil quand tu escalades. Et je parie. Alors attendez, vous me dites si je me trompe. Est-ce que s'il pleut et que j'escalade, genre je glisse? Et que la Pixie a une voix insupportable. Déjà que la Pixie... C'est quoi la Pixie? Loger, mes tympans vont très bien. Oui, mais c'est parce que toi, t'es habitué à tout ce côté-là. Hein. Quand on est whip dans l'âme, et je dis ça sans aucune critique, whip, c'est quand on est fan de tout ce qui est univers japonais, pop culture japonaise. Je pense qu'on est habitué, on a l'oreille habituée aux voix les plus aiguës que l'humanité puisse faire. Mais moi, non. J'ai l'impression d'avoir un gamin qui me parle dans l'oreille, quoi. J'apprécie pas. Nos tympans te remercient. Voilà. Machin qui se promène avec ton perso. C'est Pimon, non? Oh non, c'est Pixie. Weeb, avec deux E, petit Grease Lion. Tu connaissais pas? T'avais jamais entendu parler? Du terme Weeb? Si ça vous manque, hein, je peux le faire, moi. Ces statues sont éparpillées un peu partout. Attendez, je peux faire la voix. Attendez, on va faire sa voix. Ces statues sont éparpillées un peu partout sur le continent. Elles représentent la protection des sept archons. Cet archon que tu vois là contrôle le vent. Alors on l'appelle l'archon Anemo. Je sais pas si c'est lui que tu cherches. Mais je peux t'amener jusqu'au domaine de l'archon Anemo. Et j'ai une bonne raison pour cela. Parce que je suis trop sympa. Bonsoir, Royal. Bonsoir. Oui. Bah ouais. Bah désolé, hein, moi la voix de ce machin là, je peux pas. Ça, vraiment, ça m'agace. Et c'est aussi parce que j'ai mal au crâne depuis que je me suis levée. J'ai baissé hein, pour moi le son. Mais je veux quand même profiter des musiques, que je veux pas mettre très fort. Là, les musiques sont belles, l'endroit est beau. Ça me plaît. On va laisser comme ça. Hein. On va voir si vraiment dans une cinématique autre, parce que là, c'était juste un... C'était à part, quoi. C'était une cinématique vraiment en jeu, pas à part comme on a vu avant. On va voir si les cinématiques sont hors jeu, ça coupe aussi le son ou pas. Je vais crever, mais non. J'ai un problème de casque FR. C'est parfait. Tu critiques mon casque, tu critiques ma direction artistique, au secours. Mais quoi? Je suis kécho. Voilà, ça a coupé les voix. Oui, mais c'est sa voix, elle. J'ai envie de dire que ça compte pas, quoi. Non, mais comme je dis, c'est pas une cinématique en jeu. Enfin, c'est une cinématique en jeu, mais les autres... Là, elle est censée me parler, c'est ça? Parce que moi, je vois pas de trucs en dessous. Et j'imagine qu'il y a pas de soucis, c'est qu'elle me parle pas. Après, je peux parler, hein, ça me place. Hein. Vas-y, touche le caillou. Attention, ça va faire de la lumière. Et là, je parie que la map va s'afficher. Ah non, pas du tout. Oh ouais! J'ai été béni par le pouvoir de l'argent. Ah si, c'est ça. Ça affiche la map. J'ai craché mon riz. Mais vos bavers en témoignat, faut l'ingérer. N'importe quoi. N'importe quoi, les viewers, ils font tout n'importe comment. Mon famille de Paimon s'est loyer. Pas mal. Du coup, on est où, quoi? On est où que quoi? Lac tombe étoile. Oh, tombe étoile, il y a un personnage d'un bouquin. Un sorcier royal qui s'appelle... s'appelle Umbre tombe étoile. J'adore. Tombe étoile, je me suis toujours dit, c'est un nom tellement classe. Et tu peux le faire en mode, est-ce que c'est une tombe étoilée, genre côté mort, ou est-ce que c'est quelque chose qui tombe comme une étoile? Voilà, bref.
Immense statue de pierre qui veille sur Mondstadt. Mondstadt. Les légendes disent qu'elle fut sculptée à l'effigie de l'Archéon Anemo. Sauve un petit peu de réverb là. L'Archéon Anemo, les graines du vent pousseront avec le temps. La statue guette l'arrivée d'une âme noble, alors que les mille vents du temps soufflent sur une nouvelle histoire. Oh, c'est beau! Se téléporter! Ah! Téléportation interdite! Parce que je m'appelle Lox! C'est ça! J'ai compris, hein! Pardon, excusez-moi, j'ai failli. Tu as ressenti les éléments de ce monde? On dirait que tu n'as eu qu'à toucher la statue pour obtenir le pouvoir Anemo. Personne ici ne serait capable de tenir ce genre de pouvoir aussi facilement, tu sais. T'es quelqu'un de génial! Je crois que c'est parce que je suis quelqu'un de génial. Ouais, je pense que je vais dire ça. Oui, c'est parce que t'es quelqu'un de génial, exactement! Si on continue encore vers l'ouest, on finira par atteindre Mondstadt, la cité de la liberté. On pourra faire du shopping, acheter des chapeaux et aussi... C'est aussi appelé la cité des vents, parce que les habitants pètent énormément. Peut-être que ton nouveau pouvoir pourra te permettre de trouver des pistes là-bas. Et puis on y trouve pas mal de bades, avec un peu de chance, un dehors entendu parler de ton frère. C'est Lox la meilleure. Oh, il a entendu ses cris quand il jouait à Grounded. Alors c'est parti! Les éléments de son monde ont répondu à ta prière. Génial, non? C'est super! Merci, Paimon. Eh, franchement, je l'adore comme ça. Tac! Mais j'ai pas le temps de jouer! Hein? Ah, c'était le tuto. Oh, pardon, c'est le tuto. Ah! Ouh! Oh, je crois que j'ai... Oh, j'ai le perso le plus fort du monde, je crois. Pour charger la compétence. Ah oui, il faut que je la charge. Je le fais là. Il faut que j'attende. Voilà. Et là, il faut que je fasse A après. Oh, ils sont immunisés, dis donc. Eh, hey, j'ai obtenu 20 trucs qui brillent. Ouais, vous en avez pas autant, hein. Il y a un de costaud dans un gluon. C'est moi, costaud! C'est vous, gluant! Et ça pour faire apparaître Pimon! Tout ce bon, ça va! Ah, mais Pimon, c'est mon sac à dos et mon menu! C'est mon iPhone, quoi! Genre, et tous les trucs et tout. Ok. Communauté! Ah, ça me met le jeu n'importe où! Ok. Ah, c'est pas. Success! J'en ai zéro. J'ai récupéré! Oh, j'ai des primogèmes. Alors ça c'est de la moula importante. J'aime cristalline. Originelle, qui brille grâce à la condensation des espoirs et des rêves de l'univers d'autrefois. La condensation des espoirs et des rêves des Français qui manifestent actuellement. Elle sert de thune. Des serres de thunes pour acheter des trucs en plastique. Bon. Annonce, des trucs virtuels plutôt. Ouh là, les bruitages. Ouh là là, attendez. Faut pas déconner là. Message. Nouvelle recette en récompense. Nous vous remercions pour votre enthousiasme envers la gastronomie de Teyvat. J'ai aucune idée de ce que tu racontes. Voici deux nouvelles recettes pour vous. Mais je cuisine pas, moi, c'est mon copain. Mais c'est gentil, je lui enverrai. Super pizza suprême et du thé à la menthe aux fruits. Ouh, sacrée recette, effectivement. D'accord, récupéré. Hop. J'ai des recettes. Je vais me faire un thé et une pizza. Chers voyageurs, nous vous offrons une paire d'ailes accompagnatrices. Ah oh bah c'est sympa! Pour vous remercier, je vous soutiens chaleureux. Équipez-vous de ce planeur de vent pour voltiger dans les cieux de Teyvat. Teyvat, c'est où je suis là. Remarque, la fonctionnalité skin se débloque en progressant dans le jeu. Vous pourrez équiper les ailes accompagnatrices lorsque celle-ci sera activée. Ouais, j'ai des ailes, elles sont trop belles! Je les mets sur un perso ou ça marche pour tous mes persos?
Ok. Bah merci. Là. Pimon. Oh là là, Pimon, elle a sorti tout ce qu'il y avait dans son sac. Elle a pris par fourrière, elle dit tiens, des jetons, des boutons. Une barre de céréales qu'elle a depuis 5 ans. Nous avons atteint 3 millions de préinscrits. Ok, bon bah je récupère, hein. 2 Pimon. Large pour tous les persos. Encore des récompenses de préinscription. Bah oui, bien sûr qu'il faut. La thune. Exactement. Le voyage commence. Suivez le lien pour répondre à une enquête que nous puissions mieux connaître les habitudes de jeu, améliorer notre expérience sur Genshin. Les réponses ne pourront pas être modifiées après l'envoi. Récupérer. Ok, bah je répondrai quand j'aurai joué plus de 5 minutes. Avec plaisir, pas de soucis. Moment fort. Ah bah oui. Oh. Qu'est-ce que je fais là? Je me suis perdue. Excusez-moi. Annonce. Mais c'est trop fort encore! Mais oui, mais c'est trop fort! Mais attendez, j'avais baissé! Mais t'as un? Mais non, le bruitage là. Ok. Alt gauche pour faire. Attends. Pour faire appuyer sur C, ouvrir le menu personnage interface. Alt gauche pour faire appuyer sur C. C'est méta ça. Ok. Oh d'accord. Ok, je peux augmenter son niveau, c'est ça. Et du coup là, je fais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Par contre, je comprends pas ça. Je peux améliorer un truc. Donc ça apparemment. Je sais pas ce que c'est. Des flyers, je pense, pour une soirée. Soirée sur le thème du rouge. Et je peux améliorer mon flyers pour 13 350. J'ai 13 350, il faut 1000. Ok, j'améliore mon flyers. Mon flyers, il est niveau 5. 2. Non, 5. C'est bien, mais je comprends. Pourquoi ils me disent pas le jeu? Là, voilà, le jeu, il me met là. Il peut pas me dire ce que c'est? Insupportable quand même. Pardon. Hop là. Bah du coup j'ai l'impression qu'il n'y a plus de musique. Et je comprends pas ce que c'est ça. Pourquoi il me propose 3 bouquins? J'ai envie que ça va aller. Oh, je voulais avancer encore un petit peu parce qu'après il y a une petite longue cinématique et tout. FK boire. Augmenter les levels de ton berceau. Mais pourquoi il y en a plein? Ah, c'est que moi j'ai des papiers à utiliser, c'est ça? Donc je peux tous les utiliser, genre. Ok. Ok. Faut que je les fasse? Anemo Exol. Profil. Voix. Anniversaire, affiliation, œil divin, Beatrix. Ok. Mais oui, on va vocal tout à l'heure. Je voulais un tout petit peu avancer encore parce que je suis tout au début. Bon, on va aller à Mondstadt. Là-bas. Oh, je peux équiper mes ailes. Attendez, j'ai des ailes. Inventaire, ça marche pas. Ah, oui, d'accord. C'est quoi, c'est échappe. Équipe. J'en ai pas. Artefact, peut-être, non? Comment je équipe mes ailes? J'ai des ailes? Je peux peut-être pas le faire maintenant? Sur C. Ah là! Terminer la quête attaque du dragon pour débloquer les skins. Mais c'est pas un skin! Est-ce
C'est bien comme un skin les ailes, mais ça me permet de voler. Oh, je pêche. Mais les bruitages, ah oui, mais tous les bruitages sont super bas. Ah, c'est dommage que tous les bruitages soient considérés comme étant dans le même truc. Parce que ça enlève quand même beaucoup d'ambiance sonore, quoi. Mais bon, les bruitages du menu, ils sont un peu insupportables, quand même. Attention, tu peux pas planer. Tu vas voir, ouais. Tiens, j'ai un peu... Je pense que j'ai eu un peu de résistance au vent. Mais qu'est-ce que c'est ? Y'a un truc énorme qui vole dans le ciel ! Bien observé ! Je dirige au fond de la forêt, nous devrions rester quelque part, j'ai pas eu le temps de lire. Ok. Oh ! Là y'a un coffre. Là y'a des méchants à tuer là. Mais oui, non mais c'est tellement Breath of the Wild, c'est fou. Oh, je me fais éclater. Tiens. J'ai astuce de combat. Non. Là, le coffre va être déverrouillé. Non. On a des ailes pour Rin. Imagine que c'est pour plus tard. Oh, des mouchoirs de médecin itinérant. Conseil de l'aventurier. C. Artefact. C'est quoi? C'est un mouchoir. Ah, ça me rajoute de la défense, c'est ça? Je peux renforcer. Et renforcer, c'est avec du matos. Ok. Épée d'entraînement. Ah bah je peux peut-être lui équiper l'épée. Oh, une plume. Ok. Mais j'ai une épée à arme. Épée émoussée. Remplacée. Ah bah non. Je veux une épée d'entraînement. Dégoumelé, ouais, je dégoume tout. En tout cas, je ramasse des patates. J'en distribue aussi un peu. Ok. Non, non, là... Bon, si tu veux. Voilà, on va descendre du coup. C'est où mon stade? Ah, mais faut que je suis. J'entends un bip à ma droite, c'est agaçant. Du coup, c'est par là. Vie. L'épée que tu as, c'est une arme à deux mains. L'épée. Enfin, pardon, l'épée, n'importe quoi. L'épée que tu as, c'est une arme à deux mains. Ce perso peut pas l'utiliser, d'accord. Ok, mes Striki. Oh. Elle est très... Ça fait penser au dragon du Yu-Gi-Oh là, non? Par là, un dragon, c'est taré. Oh. Tu t'es chaud.
Dragon blanc aux yeux bleus. Un peu, hein. Voilà, il est dragon bleu aux yeux bleus, mais sinon on est bon. Il est très scintillant, quoi, comme celui de Yu-Gi-Oh. C'était moi une, j'ai failli m'envoler, hein. Heureusement, j'ai pu m'agripper à tes cheveux. Oh, ça se fait trop pas. Merci, hein. Heureusement qu'ils sont toujours en place. Bah oui, tu m'étonnes. C'était quoi tout à l'heure? J'ai cru qu'il allait se faire dévorer. Hein. Je suis sûr que c'est à cause de ce type louche qui parlait au dragon. J'arrive pas à croire que les dragons existent dans ce monde. C'est normal de parler d'un dragon chez vous? Voilà, j'ai demandé ça. Bah bien sûr que non, enfin. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc rouge qui brille sur le rocher là-bas. Allons voir ce que c'est. Je peux dire ce que je veux, je la trouve plus supportable comme ça, Paimon. Hein. Ouais, j'adore du loot. J'ai looté des mouchoirs et tout. Oh, mais attends, des mouchoirs, je peux l'équiper. Oh, d'accord. Attendez, attendez, on va équiper ce qu'on a. On a eu un truc, on a eu un autre mouchoir. Il est mieux, je suis sûr. Comparé. Ouais, il est pas top, je pense. On peut pas me mettre en rouge vif ou en vert vif, ce qui est bien. Je n'ai jamais vu une pierre comme celle-ci auparavant. Je ne pourrais pas te dire ce que c'est, parce que je découvre ce monde en même temps que toi. Elle a l'air dangereuse parce qu'elle est rouge et elle est rouge, c'est le danger. Mettons-la de côté pour l'instant, gardons-le dans nos poches, ça me semble être le mieux à faire. Il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on s'taille. On s'taille, on s'taille. Je vais en mettre les doublages après, hein. C'est juste que là, vu qu'il y a que Paimon qui parle... je ressens pas la nécessité de remettre des voix, quoi. Oh! Même les cailloux! Même les cailloux sont les mêmes, quoi. C'est dans Breath of the Wild, c'est fou. Et toi là, pas si vite! Non, j'ai. T'as une petite voix quand même! Ah non, c'est pas toi! Attendez, attendez! Et toi là! Non, mais pourquoi être déco? Oh là là! Que Barbatos te protège, étrangère! Je suis Amber, éclaireur de l'ordre de Favonius! Vous n'êtes pas des habitants de mon stade! Que faites-vous ici, bande d'étrangers? Tu te calmes! On est des gentils, et on veut tuer les méchants. C'est ce que les gens suspects disent. Ah non, pardon. C'est ce que les gens suspects disent toujours. Ils disent toujours je m'appelle Lexol. Voilà, mais voilà, effectivement, elle a raison. Mais quel nom pourri. Et cette mascotte, qu'est-ce que c'est? Un casse-croûte en cas d'urgence. Ah, oh, la blague nulle. C'est pas tant sympa. Je préfère être une mascotte. En gros, vous êtes des compagnons de voyage, c'est ça? Il y a un dragon qui a été aperçu dans les environs de Mondstar. Pour votre sécurité, vous feriez mieux de gagner la cité le plus vite possible. Ce n'est pas très loin d'ici, et je vais vous accompagner. T'as pas autre chose à faire, connasse? Ne t'inquiète pas, je peux faire plusieurs choses à la fois. Tintintin. Et puis, c'est toujours pas si je peux vous faire confiance. On a pas l'air de nous faire confiance. C'est pas très gentil de dire ça, j'aime bien. Ah, c'est pas très sympa, hein. C'est vrai, pardon. Ces paroles n'étaient pas dignes d'un chevalier. Je vous présente mes excuses, étrange, honorable voyageuse.
Tes excuses sont aussi pourries que ton attitude. Tu as un problème avec le langage prescrit par le code de l'ordre de Parvenus? Oh, bon, on n'aura pas de réponse. New player incoming, Amber! Ok, on a Amber. Et du coup, jeune fille pleine de... Ok. Appuyez sur Une archère hors pair. Ah, je voulais rechanger vite. En vrai, elle est très hors pair. Activez le mode de visée. Hein ? Ah oui, d'accord. Ok. Le jeu prend une toute autre apparence avec Lox. J'ai envie de boire, mais je risque de tout recracher. T'as réduit Pimon au silence. Ouais, mais moi, j'ai du mal, hein. Je veux bien garder les voix en japonaise, mais en anglais, c'était moins insupportable. Non, c'est bon, premier lâche, je suis normal, tu peux boire un thé. Déjà qu'elle a du mal à manger du riz. Oh, j'ai... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce... Pourquoi j'ai un lapin crétin, là? Je lui ai éclaté la gueule, au lapin. Pourquoi j'avais un lapin? Ouais, j'ai un lapin. Qui me ressemble, en plus. Il est dégueu. J'aime pas du tout. Je le déteste. Je pense que c'est un explosif, c'est ça? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah non, ça c'est pas... Attendez, faut que je change. Genre je fais ça, et je fais ça, et je fais ça, et je fais... Message important. Ah! Oh, je me suis fait éclater! Mais ouais, mais c'est à cause du message important. Où trouver du bois? Pourquoi j'aurais besoin de bois? Je suis quoi, moi, dans le jeu, en fait? Un alien. Ouais, j'aurais peut-être besoin de bois, en fait. Un grand arbre originaire du Grand Nord. Ah non, mais vraiment, ça va me dire l'origine du bois. Le bouleau se trouve communément au haut de Morne-Vent. Et dans d'autres zones, couper du bouleau pour obtenir du bois de bouleau. Ils sont pas cons, les types. Hein. Ils sont pas cons. Je te dis, t'as besoin de bois, coupe du bois, t'auras du bois. Mais je coupe avec mon épée, je vais l'émousser. Elle est déjà émoussée, bah on se demande. Tiens, voilà, hein, pas pour rien. Mais c'est pas du boulot, ça? Pas du tout, du boulot. Dans Minecraft, le boulot, c'est blanc. Mais il est pas là, le boulot. Pas du boulot. Si, c'est du boulot. Non, c'est pas du boulot. Mais ça tremble, après. Il faut que je tape longtemps. Amber, crame-moi ce bois! J'ai échoué. Ok. Bah, cette arbre, c'est du boulot quand même. Ah oui. Oh, coffre! Ouais, je loot sans regarder parce que je pense que tout est bien. J'ai gagné 10 d'XP et des primo trucs, je crois. Coupe en or. Viande crue. Le jeu, il veut que je cuisine. Hein. Faut envie, moi. Ça dépend. Bon, c'est là, mon stat. Ça, c'est un coffre. Ok. Ender, boule ça. Ah oui! Je pensais que ça allait être aussi efficace que tout à l'heure avec le bois, mais non, ça marche. Oh, il y a un type là-bas. Oh, on va pouvoir faire de la musique. De la musique. Putain, de la cuisine, ça va faire brup, 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 brup. Oh, le cri de royal, ouais.
Voilà, elle a gueulé tout à l'heure, il y a quelques secondes. Bonjour Lynn. Oh, d'accord. Apprendre. Ah bah oui, je vais... mais ça me coûte des sous d'apprendre. L'apprentissage, c'est cher. Non, je peux l'apprendre comme ça? Attendez, augmente la def de tous les personnages de l'équipe de 165 à 235 points pendant 3 secondes. Ne s'applique pas à vos personnages en mode n'applique qu'à vos personnages en mode multijoueur. Hein? C'est une recette spéciale pour le mode multijoueur? Mais pourtant, on joue souvent en pas multijoueur. Ne s'applique qu'à vos personnages en mode multijoueur. Je comprends pas. Ah, je peux faire une soupe. Soupe de radis. Ah, j'ai... Ah. On va la faire. Cuisine manuelle. Oh ouais! C'était chaud! J'arrête pas de me moquer. J'ai appris! Farine, sucre, viande. Je vais cuisiner de la farine. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, je fabrique de la farine. Ok. Et Lynn, je voudrais parler à Lynn. Ah. N'oublie pas, il faut cuisiner pour survivre dans la nature. Qui êtes-vous? Je suis l'experte en survie de la guilde des aventuriers. En ce moment, j'essaye de relever le défi de survie de dans la nature. Je ne me rappelle même plus de la dernière fois où j'ai mis les miens à mon stade. Mais meuf, t'es littéralement à 38 mètres en fait de la ville. Genre, dans la nature. Peut-être un terme légèrement surcoté quoi. La meuf, elle fait de la survie dans son jardin. C'est-à-dire que là, la ville, elle est à 18 pas quoi. Il arrive qu'on se sente seul. Un peu de conversation ne fait donc jamais de mal. Parle-moi de cuisine, parle-moi d'ingrédients, parle-moi de repas, de gâteaux très fondants. J'avais pas de rime en haut. Non, échappe. Je peux pas faire échappe. Allez, cuisine, vas-y. Ah, cuisiner est l'essentiel dans la vie, oui. Oui. Tu peux t'exercer si tu trouves une marmite qui traîne. On l'a lavé quand même. Les plats que tu auras cuisinés te confèrent divers bonus, en plus de te requinquer. Bien sûr, ça dépend aussi de tes compétences culinaires. Pour cela, apprends autant de recettes que possible. Merci. Mais j'aimerais bien cuisiner des trucs que j'ai sur moi, mais j'ai rien sur moi, c'est ça? Moi j'aurais bien aimé cuisiner des trucs au pif, mais j'ai peut-être pas assez de choses pour ça. Oh. Pourquoi je brûle? Je... T'as des soucis? Ah non, c'est bon. Parce que j'ai Ah oui, je me suis mise dans le feu. Oh, regardez, elle crame! Mais stoïque, hein. J'aime bien que Lux elle est pas à fond non plus. Je suis à fond. Timmy. Hé, qu'est-ce que vous faites? Faites fuir les pigeons. Au revoir hein. Tu vas dire à ta mère. Moi je vais aller voir ta mère. Tu veux que j'aille voir ta mère? Comment ça? Maman dit toujours tant qu'on aime le monde, les animaux ne nous craignent pas. Alors comment expliquez-vous que les pigeons n'ont pas peur de moi? Non, de quoi? Oh, je vous explique pas, je vais te tarter. Direct, agression. Malotru. Je peux pas ramasser ces petits cotons là? Les petits cotons. Ils sont mignons les petits cotons. Oh, y a de la pêche. De la pêche.
J'ai vu un truc en bleu. Ah, je suis mouillée, je crois. Pardon. Nantuk. Une baleine noire géante dans les entrailles de la mer. Oui, je tiens à mon prochain best-seller. C'est vrai. Et de... Ouais, c'est vrai. La grande baleine noire. En prends une, le gamin. Mais je te raconte pas, je vais pas me retenir, hein. Qui êtes-vous? Je suis Nantuk. Je suis Nanetuk. Personne en charge de l'association des pêcheurs de Mondstadt. Je dirais que tu as reconnu mon autre identité, je suis si célèbre que ça. Hein? Tu sais que cette phrase, on dirait que tu as reconnu mon autre identité? J'ai peut-être mal lu. N'ai plus besoin de le cacher alors, c'est bien moi, l'écrivain de la vie marine. Tout à fait. Nantuk. Fameux capitaine Nantuk. Je n'ai eu aucune de mes œuvres. Eh bien c'est parce que je n'ai encore rien publié. T'inquiète, ça arrive fort. Ça arrive. Au moment, je suis sur Twitter. Si tu veux, je te mettrai même en tête... Je te mettrai même en tête de file de ma première séance de dédicace. C'est... J'ai envie de perdre mon temps, j'ai vraiment plein d'autres trucs à faire, quoi. J'allais envoyer des tacles, mais j'ai pas trouvé. Je veux perdre mon temps... Pas envie d'être méchante. Non, pas envie, là. Je voulais lui parler encore. Une baleine noire géante? Chut, moins fort. Parle de mon chef-d'œuvre, là. Comme ça a l'air d'être intéressé, je vais dévoiler quelques détails. C'est l'histoire palpitante d'un pêcheur audacieux, qui affronte les mers déchaînées à la poursuite d'une baleine noire géante. Je suis sûre que cette histoire se vendra bien. On met dans quel but? Par moi, qui compte, suis-je clair? Je ne m'en remettrai jamais si quelqu'un d'autre me piquait l'idée. Franchement, je crois que je vais lui piquer l'idée. Et canne à pêche? Je peux? Au revoir. Dommage. Grisio, il va te mettre au doublage, Antémonia. Je fais ça. Pas de soucis de la canne à pêche. Merde. Aouh. Mon outil de travail. Attendez, je vais boire un coup. Ok. Ah, oh, c'est quoi ça? Oh, il y a des montures. Moi, je pense qu'il y a juste ça, mais il n'y a pas de monture. Attendez, je vais juste parler à eux. T'appelle sage, on va voir ça. J'avoue. Hyper sage. Il crame, il fait rien. Surprise-les. On peut pas continuer comme ça, la mère de Pissenlit n'existe pas. Il va bien falloir l'accepter, c'est juste une histoire pour enfants, un rêve. Est-ce qu'on ne devrait pas le dire maintenant? C'est vrai, mais les rêves sont importants, les rêves sont porteurs d'espoir, ma chérie. Ah non, mais c'est l'inverse. Je croyais que... Je sais pas, hein, voilà. Je suis sûre que tu n'as pas oublié ce jour où la neige tombait à Snitarania. Tu étais ma princesse sanglier. J'ai un petit bout de poudre de holly dans ma gorge. Et j'étais ton loup. Oh, hé, arrêtez de parler de vos histoires de chion, là. Hein. Oh, moi, je vais lui dire. Hé. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Non, mais vous trouvez la mère de Pissenlit, revenez me dire, d'accord? Bonjour. Tiens, salut toi. T'avais entendu de la mère de... parler de la mère de Pissenlit? Bah juste toi avant. Il y a quelque part une étendue gigantesque de Pissenlit près de Mondstadt. Mais pourquoi faire? Il y aurait même un petit renard qui s'est parlé dedans. Ah oui, en lien avec le Pissenlit. Renard qui parle. Moi, j'aimerais bien savoir ce que ça fait de parler avec un animal. Bah si tu veux, j'en ai croisé un sur le pont. M'a engueulé vénère. Juste une fois, sans faire exprès, un monsieur avec des vêtements tout verts et des chaussettes toutes blanches qui arrivait à parler aux animaux. Link qui parle aux animaux.
J'ai dit à maman qu'il était trop fort, mais elle a dit que je racontais n'importe quoi. Ta mère a raison, espèce de taré. Non, mais j'imagine qu'on verra un monsieur qui parle au renard. Je veux descendre. Ah, c'est X. Pas pratique, X. Je vais dormir, des bisous. Très bonne nuit. Pas de monture, alors qu'on entend des chevaux dans le jeu, ça me frustre de fou. C'est vrai ? Oh, c'est trop dommage. Attendez-vous une coupure pour problème supratechnique entre Hanté qui crache durée et Lux qui se pète la main en stream, ça va durer. Vas-y, je bois plus jamais pendant les streams de Lux, c'est sûr le nettoyage. Attends, je vais mettre un avertissement pour toi. Oh, un chat ! Je vous fous l'affiche ! Expérience inédite vous attend avec Diona, la barmaid de la queue de chat. Le papa de The Go The Cat, ça me frustre aussi. Mais wesh ! Où va le monde ? Hurry ! Bonjour, serveuse de bons chasseurs. Sarah, comment puis-je vous aider ? J'ai une question. Je vous écoute. Parlez-moi du bon chasseur, parlez-moi de mon fat, parlez-moi de la cuisine, parlez-moi de taper, parlez-moi de... Nous sommes un restaurant réputé à Mondstadt pour des plats comme notre steak de venaison ou notre salade copieuse. La viande qu'on utilise dans nos plats est achetée aux chasseurs de Dauclair. Nous nous fournissons quotidiennement chez eux, ce qui garantit la fraîcheur des ingrédients. Je peux vous renseigner sur le plat de votre choix. D'accord, merci. J'ai pas de thunes. Non. Je peux lui parler à elle. J'inspire pas. Elle m'inspire pas. Faut que j'aille quelque part. Allez à l'endroit indiqué, j'y vais. L'endroit indiqué est super. Ah mais je suis pas du tout à l'endroit indiqué. Faut que je sorte de la ville. Ah merde, je suis pas allée à l'endroit indiqué. Toi si tu juges. Toi si tu juges. Non parce que... Elle m'a vu repasser plusieurs fois, je suis sûre elle m'a jugé. Don't pet de 4. Avec mes émotes. Juge. C'est ça. J'ai vu. Allez, j'aille où? Mais j'y suis là. Mais j'en viens de là. Attends, j'étais là. Mais en vrai, c'était pas bon. Fallait que j'aille là. Et là, tout de suite, c'était plus logique. Ah oui, c'était... Ouais, voilà. XP aventure. De téléportation. Ouais, de la thune. Attendez, je vais tuer la bestiole. Ah ! J'ai... Quoi ? Affecté par l'élément pyro. Les attaques pyro peuvent appliquer l'élément pyro à leur victime. Lorsque l'élément pyro rencontre d'autres éléments, une réaction élémentaire peut être déclenchée. Avec du veng ! Et oui, je mets du feu, puis je mets le veng, puis ça fait... Là. Nettoyer le camp de Brutocolinus. Je le fit. Oh mais il y a un coffre. Ah mais dis donc. Il faut que je fasse ma capacité. Puis je fais ça, je fais ça. Puis je fais... J'arrive pas à la viser. Elle explose toute seule. Overkill, mais c'est pas grave, c'est Stylax. Ah mince, c'est quoi sa voix? C'était que du menifretin. Oh, ma souris est loin. Mais c'est pas ça. C'est quoi la voix que j'avais faite? Je sais plus.
C'était genre... Ah bah c'était ça. Non. Non. C'était genre comme ça. Un truc comme ça. Oh, je sais plus. C'était du menu fretin. Non, c'était pas ça. Non, c'était peut-être ça. Ah oui, c'était comme ça, genre. Je pense. Je dois avouer que ton aptitude au combat m'a étonnée. Non, c'est pas cette voix, mais c'est brave. Merci pour ton aide. Comment tu as trouvé ce combat? C'est un peu dur, hein? C'est facile, hein? Tant qu'on en parle, comment ça se fait que ces Boutrolinus soient ici? Leurs camps sont éloignés des villes en général. Tout à fait. Normalement, ils préfèrent camper dans la nature sauvage. Avec les apparitions fréquentes du dragon de Storm Terror, nos vergers y ont été détruits. Les voies commerciales en pâtissent aussi. Ces attaques font toujours quelques blessés. Les chevaliers de l'ordre de Favonius ne peuvent rien faire d'autre qu'assurer la défense de la zone. Et c'est ce qui a permis aux créatures indésirables de s'installer de plus en plus près. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Il y a pas mal d'objets à récupérer dans ce camp. Suivez-moi, je dois vous escorter jusqu'en ville. Mais on y était juste avant. Elle a même pas réagi. Qu'est-ce que c'est? Un truc qui brille par terre. Oh. J'ai l'impression d'entendre rien en fond, mais... Ah, avec la Go XLR, je sais pas si tu l'as entendu, peut-être. Attendez, faut que je pète tout, là, pour l'autre des que trucs. On peut pas bien lever la caméra, j'ai l'impression, parfois. C'est peut-être moi qui ai mis une sensi trop basse. Moi, j'aurais fait des voix sans Go XLR. Bah fais-le, hein. Moi, je fais avec, parce que c'est trop bien. J'ai envie de jouer et de faire les voix maintenant, zut. Quelle odeur, qu'est-ce que ça? Oh là, ah mais là je peux alors. Je peux peut-être faire... Ah oui, je peux faire des trucs. Je vais faire des brochettes. Et je peux faire cuisine non manuelle et ce sera parfait aussi ou pas? Oh non, je peux pas faire cuisine non manuelle, je pense. Ah, oh, j'ai les mains gelées. Du coup, j'ai de la farine. Poudre moulue à partir de blé. Peu importe le type de plat qu'il utilise, elle permet de remplir le ventre efficacement. Dans un thé, ça passe chelou. Hein. Ah, je peux faire du sucre. Hein. Ouais, on va faire ça. Je fais un. Okidoki. Bon, je lui ai déjà parlé à la copine, de toute façon. Continuez à vous diriger vers mon stade. Je fais, je suis à fond. Tu peux faire la cuisine auto quand tu... Je lis mal. Tu peux faire la cuisine auto quand tu l'as maîtrisée. Oh, cas merci. Mais des gants, non, c'est chiant de jouer avec des gants. Non, moi j'ai là, parce que moi j'ai froid. J'ai froid au dos parce que bah, la chaise, elle est enfilée. Alors je vais prendre... Je vais prendre un gilet et l'enfiler. Ah. Ok. Doulou. Let's go. Bonsoir, Ibernatore. C'est pas ça.
Nous voilà enfin arrivés à la cité des vents, des pissenlits et de la liberté. Chère voyageuse sous la protection de l'ordre de Favnius, bienvenue à Mondstadt. Enfin, fini le camping. Par contre, les habitants... Non, c'est pas ça. Par contre, les habitants ont pas l'air très joyeux ici, dis donc. On se croirait à Paris, tout le monde fait la gueule. Oui, je juge en max. La menace permanente de Storm Terror perce sur tous. Mais tout rentrera dans l'ordre grâce à Jean. Effectivement. En tant que vulgarisateur politique, je pense qu'il pourra faire beaucoup. Jean ! La grande maîtresse suppléante de Favnius. J'ai peut-être mal lu. C'est peut-être Jean. Pardon. Avec elle à nos côtés, Storm Terror n'a qu'à bien se tenir. J'espère qu'elle sait quelque chose sur machin. Ah oui, avant de vous amener au quartier général de l'ordre, j'ai un cadeau pour toi, Exal. C'est une récompense pour ton aide tout à l'heure. Et moi, j'ai rien. Je te contente. Ah, cette récompense ne te sera d'aucune utilité, Pimon, et puis je t'aime pas. Je t'inviterai à manger une spécialité gastronomique de Mondstadt, un délice à la viande et aux carottes. T'es contente? Ouais, super. Elle va m'offrir encore bouillon. C'est super comme récompense. Allez, en route pour les hommes de la cité. Ok. C'est Dean. Écoute, moi ce sera Jean. Tu vois là. J'ai décidé, c'est ainsi. Endroit indiqué par Amber. Oui, j'y vais. Merci. Oui, j'y vais. Oui. Merci, j'y vais. Oui. J'appuie sur tout. Oui. Bah je peux pas y aller si tu me bloques le jeu. Mais je veux bien. Clique dessus. Bah en fait ma souris n'apparaît pas. Comme quand je suis en jeu, la souris n'apparaît pas. On va le tab. Je veux bien hein, cliquer dessus. Ouais, Mais je faut que je puisse faire apparaître ma souris en fait. Il faut faire Alt. Faut s'appuyer sur Alt. L'actrice est Queen. Vous achetez des bons fruits frais de Queen? Queen? Et encore toi, ce sera quoi aujourd'hui? Je préviens tout de suite, je fais requin rabais. Même pas un prix d'amis? Je le dis, je le répète, pas de marchandage ici, même avec des boobs. Allez, s'il te plaît. Et si je te faisais à manger ce midi? N'importe ce que tu proposes, ta réponse sera toujours la même. Ok. Je vais pas écouter toutes les conversations. Je les détourne trop, moi. Cette rue est très animée d'habitude, mais avec les récentes attaques de Storm machin... Oui, d'accord. Ok. Je vais baisser un peu. Encore un petit peu. Voilà. Dessus, remets du casual. Ouais, c'est une bonne idée ça. Oh, l'endurance elle remonte lentement. Je sais pas par où je dois passer. Hein. Ah! Il y a un escalier, mais je m'en fous! Ouais, moi je sais faire ça, alors je le fais. Un escalier, mais je m'en fous. Je vais galérer comme ça. Quoi faire? Ça valait le coup. Par où je vais? Faut que je monte encore? Mais pas pratique cette ville, hein. Faut tout le temps escalader des murs. Prendre des escaliers.
N'importe quoi, quoi. Ok, c'est bon. Tac. Alors, voilà ton cadeau. Un planeur devant. Et un planeur derrière. Les éclaireurs planent dans les airs. Et les habitants de Mondstadt aiment s'en servir aussi. J'ai voulu te l'offrir ici pour que tu puisses essayer ce chouchou tout de suite. Tu as l'air de bien t'y connaître, on croirait presque que tu habites ici depuis longtemps. Mais le vent est au cœur de la vie de Mondstadt de toi. Bref, je sais pas comment on appelle ça. Allez, c'est le. Mes commandes sont faciles, mais écoute quand même mes instructions. Assassin Boobs of Zelda, ton jeu. Y a rien vraiment, hein, non, tu mets Boobs of Zelda juste. Parce que là, ça, toute la mécanique même d'escalade et tout, tu l'as dans Breath of the Wild, tout pareil. Hein. C'est vraiment tout pareil. Z pour avancer. Ouh, c'est audacieux. Espace. Oui. Ça aussi, hein, du coup, tu l'as. Je sais plus qui avait dit Breath of the Waifu. C'est ça. Mais en vrai, voilà, sympa quoi, quand on aime le type de gameplay, bah c'est cool. Oui, attention, dégage. Coucou. Ouh, cinématique. Il va y avoir un dragon. Ou une tapette. Voyez, je vous l'avais dit, dans les vraies cinématiques, il y aurait les voix. Je l'avais pas dit? Je l'avais dit. Ouais, parce que ça, c'est pas des cinématiques en jeu. J'ai rien dit. It's okay. Effectivement, le vent est au cœur de Mondstadt. Ouais! Qu'est-ce que je fais? Comment fais-tu pour rester aussi longtemps dans les airs? J'empêche ta chute. J'empêche ta chute grâce à une voix, un truc, bref. Imagine que tu peux concentrer ce vent entre tes mains. Utilise ton énergie. C'est très la magie là. Par le pouvoir de la magie, je te tirerai dessus. C'est trop la magie. Oh, il fait moins beau. Comment elle cherche une excuse pour me tripoter? T'as rien cassé. Oh, applaudissements charismatiques mais dramatiques mais ironiques. Es-tu une... Oh, attendez, on va faire ça comme ça. Es-tu une nouvelle alliée? Le Storm Terror est en train d'attaquer l'enceinte de Mondstadt. Keia, Exol, vous êtes arrivés à temps. Nous devons... Trois petits points. Pas si vite, Amber. Aurais-tu l'amabilité de nous présenter d'abord? Ah oui, je vous présente Keia, capitaine de la cavalerie de l'Ordre Falnius. Voici Exol et Pimon, deux voyageuses venues de loin. Venues de loin... Et tout ce qu'elle sait à leur sujet. J'avoue que c'est pas grand chose en vrai. Elle nous fait confiance.
sur vraiment pas grand chose, quoi. En gros, voilà ce qui s'est passé. Amber... Amber raconta plein de trucs. Je sais pas pourquoi j'ai eu une toute petite voix, mais je crois que c'est le art-tune, enfin l'autotune qui a fait ça. Je vois, bienvenue à Mondstadt. Je conçois que c'est difficile d'être séparé de sa famille. Par contre, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous cherchez l'Arcone Anemo. Enfin, tout le monde a des secrets, n'est-ce pas? Ah ah! Ce rire, quoi. Pourquoi rire dans cette phrase? Bref, je n'insisterai pas. En tout cas, j'aimerais vous remercier toutes les deux de la part de l'Ordre de Favonius. Nous remercier pourquoi? Ah oui, on a fait fuir le dragon. C'est vrai. Devrions pas rester les bras croisés. Ah mais de rien. Oui, notre récompense, oui, voilà. Un délice à la viande. Non mais arrêtez un peu là. Non mais c'est quoi ces récompenses de crevards là? Tiens, voici un Twix. Un grand nombre d'habitants ont été témoins du combat contre le dragon. La grande maîtresse. J'aime pas cette voix. J'aime pas cette voix, je cherche autre chose. Je cherche autre chose, comme ça. Comme ça, c'est un petit peu énervant. Je cherche. Comme ça un petit peu genre. Je cherche. Ouais, peut-être, pas trop, un petit peu. Comme ça peut-être. Comme ça. La grande maîtresse suppléante de l'ordre de Favonius voudrait vous rencontrer toutes les deux. Bof, j'arrive pas à faire des voix graves. 5 heures plus tard, je cherche. Vous avez débloqué quoi? J'ai pas le temps de dire. Ah, bon, attendez, je regarde. Un skin. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Oh, ils sont pareils en fait, un peu. Ah non. Ouais. Ok, let's go. J'ai eu un cadeau, j'utilise mon cadeau. Je vais voir aussi artefact. On a d'autres trucs. Je vais mettre une coupe. Réplique. Oh. Ah. Lame devant. Ya. Écrasement. Non mais c'est vraiment... Please quoi. Stop it. Ah mais attendez, j'en ai avec l'autre. Bandeau d'aventurier. Ok. Plus zéro? C'est pas fou? Non. Plutôt que de rien avoir. J'imagine que c'est mieux d'avoir ça. Mais plus zéro, ça me semble... J'y connais rien, mais ça me semble pas fou. J'ai débloqué les ailes, c'est trop cool. Trop cool, mais c'est lent. Je crois qu'on est devant le quartier général de l'Ordre de Favonius. Oui, entrons. Bon, je vais remettre les voix. Même si le doublage est marrant. Ah. À deux. Faut pas déconner non plus. Oh, mais j'ai 1000 pimod là. Entrons. Ouais, j'essaye. Ah, voilà. Oh. Ah oui, Molette, oui. Je préfère mon doublage, hein, désolé. Bienvenue à mon stade voyageuse du vent. Oh, c'est Jean! Je suis Jean, la grande prêtresse suppléante de l'ordre de Favonius, et voici Lisa! Responsable de la bibliothèque. Bah, effectivement, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, ça c'est bien look de bibliothécaire, ça!
C'est adorable. On va sûrement faire connaissance. Oui. Ça me terreur à sommeil une sacrée pagaille. À l'heure actuelle, le flux alimentaire et les lignes énergétiques de Monsters sont perturbés. En faire pour les mages comme moi. Restez à Mondstadt pendant que nous t'aidons à retrouver ton frère. Je vous laisse faire dans ce cas. Où est l'auberge? Je veux participer. Ouais, non mais tais-toi le moustique là. Laisse-moi aller pour un coup. Ouais, la fois que le Storm Terror s'en prend directement à Mondstadt. Enquêter sur source de pouvoir. Qu'est-ce que ça a donné? Oh, la musique est peut-être un peu trop forte. La musique se trouve dans les temples... la réponse, pardon, la musique. Dans les temples abandonnés de 4 vents. Puis son énergie dans ces temples, c'est ainsi qu'il provoquait des tempêtes. Notre objectif sera de nous occuper de 3 de ces 4 temples abandonnés. Ah, on va chacun faire un temple, c'est ça en gros. Tout le monde comprend pourquoi on n'ira pas faire le quatrième. On n'ira pas dans le quatrième. On leur demandera plus tard. Zéro curiosité, on s'en fout, meuf. Chevalier de l'Ordre de Favonius, nous n'avons pas le temps à perdre. Tempête est imminente. Ok. Laisse-moi, je vais boire un coup. Cette phrase. Excusez-moi, c'est ma personnalité résumée. Boutique débloquée. F3 pour faire un vœu. Oh! Là, ça me semble important, là. Noël! Oh! Moi, j'aime bien ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, attendez. J'avais déjà eu cet écran avant. J'ai pas tout compris. Recommandé pour les débutants. Faut que je fasse ça? -20% sur 10 vœux consécutifs. Garantie obtention de Noël dans la première série de 10 vœux. Là, c'est pour invoquer. Naïda. Ah bah c'est ce que j'ai mis dans mon image. Bon, on dirait Pimon. C'est Pimon. Ninou. Mona, Kikin, Kiki. Ok. Ah, celui-là il coûte moins cher, donc faut que j'utilise celui-là. Faut que je fasse forcément celui-là, c'est le débutant, c'est bien, c'est ça. Pourquoi ça il met un point d'interrogation, d'exclamation, enfin de trucs là. Ok. New Challenger. Non, pas du tout en plus. J'ai eu quoi? Orb Jaiden. C'est pas un personnage, ça, hein. Une boucle d'oreille. Orb Jaiden. Mais j'en ai déjà. Orb Jaiden. Jadien. Je dis Jaiden, excusez-moi. Ah, là, j'ai une âme froide. Ombre féreuse. Épée sanglante. Pompille noire. Oh la pompille! Ça, j'aime bien ça. Ah, j'ai Noël! Elle a l'air bien, elle. Je l'aime bien déjà. En plus, elle a plein d'étoiles, genre 1000. Ombre féroce. Mais qu'est-ce que j'en fais quand j'ai plusieurs fois le même objet? Épée sanglante. Ok. Donc ça, j'imagine que c'est des artefacts. Ça, j'imagine que c'est des armes. Voilà. Supplément. Astrion libre. Monnaie qui peut être échangée contre des ressources précieuses dans la boutique. La poussière d'étoile du destin peut-être... Attendez. La poussière d'étoile du destin. Peut-être qu'elle peut créer de nouveaux destins en l'accumulant. Comment ça, peut-être ?
Comment ça peut-être? Quand t'as plusieurs fois le même objet, tu peux fusionner pour rendre meilleur. Mais pour l'instant, c'est pas intéressant. Ok. Ok. Du coup, là, j'ai fait mes vœux. J'en ai plus que 3 et j'ai 84 ça. Je les dépense où? Ah, mais il y a cette monnaie-là et celle-là. Je peux faire un vœu. Bon, ok. C'est pour ouvrir le menu personnage. Du coup maintenant j'ai comment ça profil? Oui en bas c'est bon. Ah j'ai déjà un artefact pour ce personnage. Moi je vais prendre celui-là du coup, que j'ai pas encore équipé. Hop là. Ok. Ah non mince, c'est pas fini. Mais j'en ai marre que ça me dise point d'exclamation là. Arrête. Arrête. Voilà. C'est bon? Non. Ok. Arme. Renforcer l'arme. Ah d'accord. Oh. Je laisse faire? Ok, bon le jeu me dit de faire ça donc je vais le faire. Niveau 1, oui, bon, j'imagine que c'est pas grave. Y'a encore un point d'exclamation là? Pourquoi y'a encore un point d'exclamation là? Ah, niveau supérieur. Ok. Oh, j'ai une autre tenue. J'ai 7 tenues et 7 tenues. Ah mais si elles sont différentes en plus, je suis en train de dire qu'elles étaient pas différentes, mais si si elles le sont. Ok. M. Ah oui, on va se téléporter. Let's go. Ah! Au temps des 80, ces temples sont abandonnés depuis un bon moment, personne ne s'y rend jamais. On pourra tomber sur un camp de Botokudinus. Let's go. Nouvelle initiée. Pas encore, hein. On va voir si j'accroche. Martien, crypto, j'espère que ça va. Deux tenues d'Amber, parce qu'en Chine, Amber et d'autres persos sont censurés. Ah, donc on a droit à un skin censuré. On peut choisir. Ok. Parce qu'à Skip Amber, un décolleté trop profond. Ah, j'aime pas, fais gaffe. Ok, ok, ouais, je sais qu'en Chine... plein de choses qui sont censurées. d'accord. Donjon niveau 12. Donc là, je vais faire un donjon. Défi solo. Let's go, le donjon. Donc ça, c'est ma team. Au niveau des couleurs, ça va ensemble. Formation rapide. Bah, de toute façon, j'ai pas le choix. Hey, c'est bonsoir la communauté, bonsoir. Tu joues aussi du coup? Ouais, je crois que tu en as parlé hier. Bah, tant mieux, parce que moi, j'y connais rien.
Je pense après, on vient, si tu si t'es dispo hanté, tu me diras un peu en vocal ce qu'il faut que je fasse. Mais après le donjon, pour le moment, je fais le donjon. Parce qu'il faut que je fasse comment je suis censé tout gérer, tout ça, tout ça. Si t'es dispo. Les profondeurs du temple. Amber peut tirer des flèches qui se chargent pendant le tir visé. Elles sont imprégnées d'énergie pyro lorsque la... la lame est chargée. Vous pouvez enflammer des objets. Ça j'avais vu, j'avais fait déjà. Moi j'ai pas attendu. Je suis dispo, cool. Ça va, oui, je suis un peu en retard sur le dîner. T'es en train de manger ? Bah bonne app. Après, pour le moment, le gameplay est... Bah bon, voilà, il est pas nouveau, du coup, j'arrête pas de le dire, mais j'aime bien. Ouh ! J'ai voulu éviter les orbes. Activez la vue élémentaire pour voir les attributs élémentaires des différents objets. Chaque élément possède une couleur distincte. Ok. Et la vue élémentaire, comment je l'ai ? C'est en bas. Les objets en verre appartiennent à l'élément dendro et peuvent prendre feu. Les étuis en bois que brandissent les ennemis appartiennent aussi à l'élément dendro. Brûlez-les avec l'attaque pyro. Ok. Si je fais ça, rien du tout. C'est un petit peu appuyé. Ah, faut pas que je bouge, c'est ça? Faut que je fasse un truc. Ah, faut que je descende? Ah oui, tout simplement. Mince! C'était le bruit de quoi? Oh, Dimension! Attends, attends, je veux l'autre! Ah, c'est pas ça que je veux faire! Je vais prendre elle et faire ça. Je sais pas s'il faut que je change souvent comme ça. Ça, c'est intéressant. Ah oui, ça doute pas tout seul, c'est vrai. La musique est peut-être un peu... Le son du jeu est peut-être un peu fort. Vous me dites. Ça baisse quand je parle au moins. Du coup, vous avez pas besoin d'équilibrer. Parce que je pense à vous. Je sais pas si je pourrais... Oh, faut que je fasse ça. Oh, trop cool. Ah. Je vous ai parlé au début, changer de personnage sans faire exprès. Ah non, non, je fais exprès. Mais je sais pas si c'est intéressant. Parce qu'en fait, l'autre perso, vu qu'elle a du vent, et moi j'essaie de cramer avec elle, puis après de faire des trucs avec du vent. Certains persos seront plus support, donc tu pourras juste utiliser leurs compétences pour revenir sur ton perso principal. Ouais, comment ça gère un support dans un jeu où tu joues qu'un perso à la fois? C'est un peu bizarre, non? Mais non, non, c'est volontaire, c'est juste que par contre, j'avoue, je sais pas spécialement à quelle place elles sont à chaque fois. Genre là, je fais ça, et après je fais ça. Et du coup, ça fait du vent partout. Et après, je fais ça. Comme ça, ça fait une tempête de vent. Une tempête de vent, oui, mais surtout de feu. Ah, je m'en suis pris. Moi aussi, je pense à moi, c'est important, effectivement. Moi aussi, je pense à moi.
C'est bien. C'est bien. Ça se répand ou pas? Pas trop. Un peu, mais pas beaucoup. Bon, j'ai pas besoin, je peux faire ça juste. Attendez, je vais prendre la nouvelle. Elle n'est pas à deux mains. Ok. Je vais peut-être lui mettre un équipement que j'ai. Mais elle est lente. Astuce. Voyageur, Mora. Ah non, je me suis trompée. Je peux pas faire. Je fais E d'habitude pour interagir, du coup je galère un peu. T'as la bonne technique de jongler en Amber et ton perso. Le vent va pousser le feu, voire grandir. Ouais, mais ça je me rappelais, j'avoue. Hein, je crois pas que. Je sais plus si j'étais allée jusque là. Je pense pas dans ma toute première game que j'avais faite il y a très 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 longtemps. Enfin, game, ça veut rien dire, mais voilà. Et je me rappelle effectivement qu'il donnait ce conseil et du coup j'avais. Voilà, je jonglais entre ces deux-là. Mais je saurais pas bien le gérer avec d'autres persos, parce que j'ai jamais appris. Comment traverser? Mais je ne sais pas. En mettant le feu avec un truc, sur un truc où il y a une énorme flamme. Oui. Oh, attendez, si je vais là, il y a des cadeaux? Bah oui, évidemment. Yes. J'adore les cadeaux. Des trucs en dessous. Je vais descendre petit à petit en fait, je vais pas me prendre la tête. Je vais descendre petit à petit, c'est sûr. Tintin. C'est toi. J'en pouvais plus. Tout ça c'est principalement grâce à Jean, sacré Jean. Maintenant le storm machin, prendre une mobilité comme le vent qui change de direction, notre stratégie doit connaître une évolution. C'est profond. Tu viens d'inventer ce dicton? Nous parlons des 80 tout à l'heure. Zelle est mieux placée pour t'en parler. Ça veut dire que je ne connais pas leur histoire. Ça veut pas dire que je connais pas leur histoire, juste que la bibliothécaire sera mieux t'expliquer. Ok. Mais là, je vais sortir, j'imagine. Attendez. On va sortir maintenant. Ah, mon stream deck, il est loin. Bla. Trouve le bon copain entre les personnages. Cela... Ah mince, ça m'a... Ok. Ça devrait suffire. Ça devrait suivre tout seul, pardon. J'ai mal lu. Comment t'es menée à t'expliquer? Ok. Ouais, ouais. J'imagine que parfois le jeu te dit, parce que en fait je me dis parfois il doit y avoir des combos de personnages pas forcément intuitifs. Le feu et le vent ça va. Mais voilà, pour d'autres éléments je sais pas si je serais pas sûre de pouvoir dire que ça me sera aussi évident quoi. Ok, donc j'ai fait mon premier donjon. Ah, je peux peut-être me TP? Dope. Mais c'est pas grave. Voilà, tout à l'heure, si tu veux, pour les éléments. Là, t'as trois persos. T'as pas vraiment besoin de ça. Ouais, d'accord, ok. C'est petit à petit, c'est progressif. Imagine que elle, par contre, pour casser les cailloux, vu qu'elle a une arme à deux mains, ce sera mieux. Oh, qu'est-ce que c'est ça, hein? J'ai. Oculus perdu. Les animoculus sont dispersés dans tout Mondstadt. Récupérez-les et offrez-les au statut des 7 Mondstadt pour obtenir diverses récompenses. Ok. Hydro. Ah bah, il y a l'élément hydro. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, j'ai failli ramasser un lézard.
Juste j'ai besoin de faire ça et puis c'est bon. Ok. Ce truc ressemble à du vent solidifié. Pas du tout! Tu dis des sottises! Tais-toi! Elle parle trop! Mais un magasin. Désolé, mais c'est pas ma campi maintenant. X pour descendre et sur et pour moi sur un clavier c'est pas instinctif d'avancer reculer et puis après tu fais X pour lâcher, j'aime pas. Je puisse rebind mais bon déjà ne pas pouvoir rebind sur la souris ça me saoule. Ah oui c'est mieux. Peut-être lui mettre une autre épée à elle, attendez. C'est quoi la touche CC? Oh. Truc de médecin, ok. Non. Moi, je sais pas quel set est bien pour quel truc, voilà. Pour le moment, j'ai un truc nouveau, je mets et puis c'est tout. Arme. Ah, j'en ai pas d'autres pour elle, mais pourtant... Oh, j'avais d'autres armes, moi, remplacées. Ah. Bah, moi, je veux comparer. 23 attaques de base. Ah, bah, c'est pas dingue. Ah non, épée d'entraînement, c'est l'équipement actuel. Ah oui, non, c'est pas dingue. 39, PV 7,7. Ok, et celle-là... Maîtrise élémentaire. Ouf. Je sais pas. Je sais. Pyro-électro. Elle a pas l'air d'être pyro-électro, donc on va mettre ça. Voilà. Alors, on va au point. Faudrait que je fasse gaffe à bien repérer s'il y a des points de TP sur le chemin. Direct dans ce jeu, il m'a saoulé, surtout que tu peux pas les skip. Bah j'avoue quoi, j'aimerais bien que juste que Pimon ne parle pas. Après, voilà, c'est un RPG donc je comprends. Enfin, gacha RPG quoi. Mais bon, j'imagine que quand t'as passé les premières heures de jeu, ça arrive beaucoup moins quoi. Franchement, j'ai joué à Pokémon Animal Crossing, je peux survivre à ces dialogues. Mais je comprends, je crois que c'était l'un des trucs qui avait fait que j'avais... Donc je veux pas essayer d'aller plus loin. Quand j'avais découvert le jeu. Pour le moment, juste je loot et je vais au point quand même, mais je loot. Ah, sur la map, il y a des trucs qui apparaissent et ça brille. Et non pas ça brille, le personnage de H, ça brille. Voilà, ça brille plus. Je sais pas. Je sais pas compris. Ah! Du feu! Ça, c'est pour. J'ai cramé. Ah! Je suis gelée. Ça, c'est un ennemi, ça. Floriste botaniste. Tu vas me donner des plantes? Ça fait un moment qu'un animal m'avait pas adressé la parole. Tu vas t'en prendre une. Hein. Tu aurais des fleurs? Oh! Ça me semble cher, mais peut-être pas. Je sais pas à quoi ça sert. À faire des plats, c'est ça? Assaisonnez vos plats, ok.
Bah écoutez, si j'en ai besoin un jour, au moins je sais que je peux en acheter comme ça, en me baladant. Good to know. Là, les 7 sont pourris, tu peux faire un peu ce que tu veux. Ah. Attendez, faudrait que je fasse ça. Hop là. Et maintenant, je fais ça. Et je vais tester un peu avec quelqu'un. Ça se passe pas comme prévu. Oh, ça me saoule! Mais dégage, je veux pas cuisiner! Après. Je vais attendre que tout soit fini, je vais loot, tranquille, voilà. Il est indiqué. Un truc qui crame aussi. Parce que c'est, mais bon, je prends le coffre. Alors, on va faire une soupe. Ça me semble bien, moi. Ok. Et je vais faire encore un steak. Et après, on va garder des ingrédients. J'ai repris le jeu et j'ai voulu retaper. Tout l'histoire, bah j'ai toujours pas fini. Et j'ai relaissé tomber. Ah zut. On verra, on verra. On verra si moi j'accroche. C'est sympa. À voir. En fait, je suis quand même perdue dans tout. Dans la manière dont on gère nos personnages, notre stuff. Dans la manière dont on les améliore et tout. Pour le moment, c'est pas limpide. Pareil, les différents types de monnaie, je sais pas, voilà. Les trucs importants à faire et tout, pour le moment, je sais pas. Donc on va juste faire la quête. Et puis après, je pense après les donjons. Salut petit Gweno. Serve pour les plats et augmenter les persos. Ah oui, d'accord. Pourquoi il y a des fleurs qui crament? Vous avez regardé ça? C'est content? Ben, c'est super, bravo. Moi j'imagine qu'il faut l'élément eau. Et là je crame un peu. Ingrédients, deux ingrédients, trois ingrédients. Approche-toi, tu sens cette odeur? Oh, ça va, arrête de me faire nifler ton bras. Ça sent le pire au blob brûlé. Tout à fait. Tu vas trouver des blobs, des Brutocolinus. Il y a d'animation, crois-moi. On trouvera sans doute juste une flopée de monstres pas très futée. Quelle assurance! Dommage que le temple du loup ait été profané de la sorte. Allons-y! Ok. Oui, si elle accroche. Ouais, c'est ça. Moi, je suis perdue encore. Je suis encore perdue. On va voir. Mais je pense que si quelqu'un m'explique, ça ira mieux. Formation rapide. Voilà. Hop, 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 hop là, hop là, hop là. J'étais perdu aussi au début, ouais hein. Ça fait déjà 2 heures qu'on joue. Oh bah dis donc, à peu près. Notre dernier espoir. Elle accroche à un jeu asiatique. C'est pas vrai, j'adore plein de jeux asiatiques. C'est juste que c'est des jeux de Nintendo. Demain, Ghost leva 5h pour aller en Espagne. Oh, tu pars en vacances là-bas? Trop bien. Ou c'est pour d'autres raisons, genre le taf ou je sais pas quoi. Oh, t'as augmenté comment c'est des bois, un chevalier de l'ordre de Favonius. Oh non, il va rejoindre mon équipe, le Dark Sasuke là. Non, je dis Dark Sasuke, mais je suis pas trop sûr que c'est la bonne race. J'ai même fait le Den Ring. Oui, il y a ça aussi, non, mais oui, j'accroche. C'est juste que le modèle des JRPG ne me convient pas spécialement. Mais je suis pas encore réfractaire, j'ai pas encore fait un FF. Je pense que je ferai le 7, un de ces 4. Enfin, je ferai, j'essaierai, on verra.
L'élément cryo est capable de geler les éléments hydro. C'est logique. Oh, sympa. Ok. J'imagine que le vent ne fait rien de spécial avec ça. Non mais tais-toi Keïa. Tais-toi. Mais tu peux couper le son des dialogues au fait. Je vous indique ça. Et les grosses cinématiques restent doublées. Mais pas les petites. En gros les cinématiques importantes qui sont faites hors du jeu. Oui c'est pour les vacances. J'ai fait un jour et demi de bateau pour y aller. Attends, j'ai fait un jour et demi de bateau pour y aller ou... Tu dis j'ai fait ou tu vas faire parce que tu dis que tu y vas demain? Un jour et demi de bateau, mais tu vas depuis où? En tout cas trop cool d'y aller en bateau, je trouve. Enfin, de voyager en bateau. Moi j'aime bien. C'est aussi hydrobloquant. Comme les loups. Jets de feu sont alimentés principalement... Compétence cryo. On parlait temporairement des mécanismes de jet de feu. Ah, ça, c'est bizarre si ça marche quand même, non? Ça marche, ok. Je vais faire autant pour moi. Ah d'accord, pas de soucis. Non, je me demandais si j'avais loupé un message. Non mais c'est de l'eau ça. Ah oui d'accord, c'est des éléments hydro. Du coup faut que j'utilise lui. Du coup faut que je fasse ça. Hop là. Oh non, je suis trempé. Mais tais-toi, Pimon! Pour le moment, je laisse, mais je pense vraiment que je vais couper. Recouper les dialogues. Hein. Désolé, mais moi, ça m'agace un peu. Je les ai mis très bas, déjà. C'est pour ça qu'on les entend pas trop. Uniquement pour les bruisseaux de douce. Non, mais je savais ça. Il faudrait que je trouve un moyen de faire tomber de la flotte pour l'éteindre, puis le geler, c'est ça? Parce que ça va pas trop marcher si je fais E. Pierre bleue au centre de la pièce est une ombre hydro-brisée. Cette pierre pour déclencher une averse. Ah, d'accord. Ok. Ça fait quoi? Ça fait des dégâts? Les petits trucs qui tournent autour de moi ou ça me protège? Ou les deux peut-être? D'accord, tu fais un pouvoir avec un perso et ça le fait sur l'autre. Oh, c'est marrant. Ok. Ça n'a pas l'air de servir à grand chose d'avoir fait ça, c'était pour tester. Une fois, je pourrais pas trop passer sur le stream. Bah normal, normal, trop bien les vacances. Donc j'espère que ce sera cool, tu auras beau temps, tout ça, tout ça. Un jour, faudrait que je trouve des gens qui aiment les jeux auxquels je joue pour me faire des rencontres. Peut-être un jour avoir une petite amie en public. Grision, tu sais, jouer au jeu, c'est pas forcément baiser, hein. Bon, au loin, j'ai entendu Royal qui a rigolé très fort juste à la fin de ma phrase. Du coup, ça me plaît. Tu veux couper les voix sur ton jeu, fais ce que tu veux. Ouais, mais je pense que ça nique un peu l'immersion, j'en sais rien. J'ai entendu aussi. c'est lui. J'ai voulu voir en me disant « Oh, flemme !» Je
pas être seule et partager des trucs, mais je sais, mais ça tourne un peu à l'obsession, non? En fait, tu ramènes presque tout à ça. Donc j'espère que... voilà. J'espère que t'arrives quand même à t'amuser dans les jeux avec des gens, même si c'est des gens où il y aura pas forcément de choses qui se passeront au niveau sexuel. Non, je sais, pas sexuel, romantique. Des gens chelous? Comment ça? Hop là. J'en parlerai plus. Je savais qu'on allait le vexer. Désolé, c'est pas question de ça. Mais c'est surtout le fait que vraiment... voilà, ça ramène beaucoup à ça. C'est juste ça. Enfin, sur mon stream en tout cas. Peut-être que tu fais pas ailleurs, j'en sais rien. C'est bon. Faut peut-être, voilà, voir le jeu vidéo aussi comme moyen de juste profiter de je sais pas, de s'amuser. Une combattante entraînée. Je crois que tu as livré tout à l'heure, valait le coup d'œil. Rien d'extraordinaire. Merci général de l'ordre, tu auras le temps de... Point 1, voilà. Oh, une bonne taverne, let's go. On invite à la taverne aux gonzes. La caméra est partie. Oui, je sais. C'est parce que c'est une cinématique. Il n'y a pas besoin de voir ma caméra pendant la cinématique. Non. Merci beaucoup. Pépa, c'est une mauvaise voix. Bienvenue. Salut Jessabilo. Salut 60 Ourel. Désolé, je me suis trompée. Merci, c'est très gentil. Est-ce qu'on peut avoir une petite dédicace à Péparou? Si vous le voulez bien, les petits modos. Je fais, c'est pas un souci. Alors, vous faisiez quoi de beau? Merci, c'est adorable. Hop là. Oh bah merci, hein. Ah, c'est un poteau de Rubik, je vois sur ta chaîne. Trop bien. Rubik le bro. Il m'a même envoyé son sample de beat pour aller avec mon sample de... couille. On est à... On est un petit peu... On est un petit peu les poteaux des organes génitaux, quoi. Bon, j'ai Kaya dans ma team. Hop là. Merci, merci, c'est très gentil. On veut pas. Surtout toi. Surtout toi. Bon bah j'ai toujours pas l'élément hydro, alors je peux pas faire ça. Bon c'est pas grave. Je suis en pleine découverte de Genshin Impact, je connaissais pas. Enfin à peine. Donc voilà, on s'essaye un peu au game. C'est les premières heures de jeu. D'ailleurs je fais une petite VO2, je vais peut-être la couper maintenant. Il est sorti par la bite. Merci beaucoup ce Stabilo, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon live, j'ai pas vu sur quoi vous étiez. Vous étiez à... Sur quoi vous étiez à... Attendez, faut que je fasse ça. Tac. Et du coup, sur e-racing. Évidemment, vu que c'est la commu du copain Rubik. Et de Annie, peut-être aussi. Eh ben, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, c'est très gentil. Très gentil. Tu peux dans le feu avec la compétence de Kaya. Ah, j'ai même pas essayé, j'avoue, attends. C'était où? Oh, c'est loin. Bon, j'y vais. J'y vais. Bon bah, je vais vous laisser. Bonne nuit tout le monde. Grision, il veut même plus rester, du coup. Bon bah des bisous.
Repose-toi bien, bonne nuit. Désolée, la prochaine fois tu pourras parler de ton envie de petite amie tout le stream. Sinon il viendra plus jamais le pot. Non, ça va pas ensemble, je pense. Ah là, c'est mieux. Hop là. Non, 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 c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Non. J'arrête, je ferai plus aussi que je fichie tout le monde, donc j'arrête. Des soutiens. Mais oui, voilà, c'est pas question de ça. À faire ton trapile, attention, t'as pas encore l'âge. Ah, il a encore un peu de marge, il a encore un peu de marge. Enfin, ça dépend sur quel sujet, on a. Ok, j'utilise pas du tout les bons éléments, mais c'est pas grave, hein. On fait ça, voilà. On va bouger. Et on va aller du côté, du coup, faut que je rejoigne le temple de Lisa. Allez, je vais peut-être faire le temple de Lisa et puis j'arrêterai la VOD après. Il faut que je fasse ça, genre. Ah ouais, ça c'est bien. Et après je fais ça. Je refais ça. Non, non, ça, ça j'ai dit. Hop. Je sais pas si c'est très efficace, hein. J'ai pas l'impression. Mais bon. J'aime bien ce perso, il est pratique, alors pour le moment je préfère la jouer elle. Ok. Temple de Lisa. C'est quoi ça? Ça c'est un truc de TP ça? Pour la peine je vais grailler. J'ai envie de manger un petit truc sucré aussi moi. Je vais peut-être juste me prendre un petit truc, un petit gâteau. Ah faut que j'allume. Let's go. Des jolies fleurs. Ça me fait penser aux fleurs de la sérénité dans Breath of the Wild. C'est peut-être plus celle-là qui ressemble. C'est des fleurs bleues, mais... Un peu loin, je crois. Un peu loin. Ah non, j'ai plus d'endu. Ok. Je me demande si comme dans Breath of the Wild, je pourrais faire des fous pour m'éjecter. Parce que là je galère un peu. Ah mais faut que je fasse une pause au milieu. Ok. Ok. Ah oui d'accord. Et du coup c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Ah non, j'ai pas eu le coffre. Mais il m'en manque un. Plus peut-être. En fait c'est pour le coffre ça. Ah il est là-bas. Tu te fais quoi de bon à manger Vendel? Ah j'ai raté. Mais non mais ça faut pas que je le tue. Faut que je sois gentil avec, non? Je sais rien en fait. Ah d'accord. Oh ok, ça me donne des coffres. Ou bien. Qu'est-ce que c'est ça? C'est électrique. Électrique. Ah c'est terrible.
Ça, je sais pas ce que c'est comme pierre. J'ai eu l'impression de voir un motif de pierre. Action élémentaire. Ok, donc là j'ai une protection, ça semble bien. Et toi si je fais ça? On fout. On fout complet, je pense. Ok. Non, j'ai ça. Faut faire ça. Oh, ça a pas marché, j'ai pas mis mon shield. Si, j'ai mis mon shield. Oh, j'ai double shield. Pas ce que j'ai fait, mais je me suis mis des shields. Ou des trucs autour de moi, en tout cas, c'est joli. Au pire, c'est décoratif. Il est mangé aux pierres pour Noël. Ah bah voilà, j'avais un pressentiment, mais c'était son... C'était son... le symbole du E, là. Ça me faisait penser à une pierre. À une gemme. J'ai par où? Faut que j'aille par là-bas. Donc je vais pouvoir... Attendez, je peux peut-être me TP pas loin? Non, pas du tout. Ah si, le TP que j'ai juste de débloquer, c'est tout quoi. Mais c'est pas grave, on avance. Oh putain. Ah, je pense que vous l'avez entendu, Royal. C'est Royal ça. Ouais, non mais c'est ouf. En ce moment, il est super en forme. Du coup, quand il joue, mais il fait un boucan. Il est trop en forme. Mais c'est pareil l'après-midi, hein. Je passe surtout mon temps à bouffer. Bah ouais, tu me dis aussi que t'as pas... c'est une période pas... pas folle, alors je peux comprendre, hein. Après, t'as pas un petit jeu, hormis RimWorld, pour peut-être un peu avoir une occupation, un truc qui te fasse plaisir, quoi. Ou je sais pas... Je sais pas, d'autres occupations, après, bien sûr. Hein. Moi, je suis passionnée par le jeu vidéo, alors forcément, je pense à ça. Mais du dessin, du sport pour ceux qui sont sportifs. Mais bon, moi, le sport, ça me gonfle. J'en fais, mais ça me gonfle. Alors faudrait que j'en fasse demain. Combattures seront parties, je pense. Je sais pas. Musique. Écriture. Écriture, la lecture, la culture. Tiens ! Oh, c'est joli, ça. Ça me plaît beaucoup. J'ai fait mal dingue. Ah non, il marche plus alors. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire, c'est ça. Voilà, pour faire un peu de dommage là, parce que... Ah, mais attendez, ça faudrait que j'utilise elle en fait. Plutôt non. Ah, ça a pas marché, attendez. Et oui, là c'était mieux. Oui, parce que lui, il gelait. L'autre, il avait... Quoique non, il gelait parce que je l'avais fait. J'avais fait l'interaction de le geler, du coup ça gelait après. Ou est-ce qu'il gelait de base et j'ai pas fait gaffe? Je sais pas. Tais-toi! Oh là là, un perso quand... un perso avec une voix aiguë là qui parle tout le temps, c'est fatigant. Il gelait de base. Ah oui, d'accord. C'est quoi ça? On va aller voir vite fait. C'est débloqué à grand tour pour la map, ouais, c'est ça? Oh! Vas-y, montre-moi le coffre. Oh, ça va être chiant, je crois, non? D'accord. Demain, je balade des pimpins autour de Paris. Des pimpins? Des pimpins. C'est quoi des pimpins? Des pimpons? Des parpins? Des pins... J'ai pas. Des pipins? Ah, des lapins? Tu vas te promener avec des lapins?
Si c'est ça, c'est très mignon. Ah oui, je peux les loot. Regarde, de papillons cristallins. Faisons quoi? Une offrande? Ah, mais oui, j'ai trouvé un truc. Ah, ok. Ok, c'est ça les... Ok. Nice. Point de téléportation débloqué. Cool. Faire une offrande. C'est quoi une offrande? Genre, j'offre ça? Je fais offrir? Ah, endurance pack, ça a augmenté. Ah, ok, c'est les... Ok, je vois. Les statues de la déesse Ilia. En gros. Ok. Merci. C'est bon. C'est probablement définitif. Ok. On va avec son piment, ta gueule. Oui, moi, ça m'énerve vraiment. Elle a une voix trop aiguë. Mais c'est pas le seul perso, en vrai. Hein. La bibliothécaire ou l'autre, pas la bibliothécaire, je sais pas. Bref, c'est pareil. Hein. C'était trop aiguë pour moi. Hein? Oh, ça fait touc. Ah, c'est lui. C'est juste lui, en fait. Ah là, attendez, il y a une étoile. Je sais pas à quoi ça correspond, une étoile, mais... Là. Ah, c'est ça. Et c'est ça que je dois donner au truc de la déesse, là. Enfin, ouais, au statut, là. Ok. Enfin, je crois. Hop là. J'ai pas dans la bonne direction. Les touristes, c'est des pimpins? Ok. Je connaissais pas ce terme. Des pimpins. Est-ce qu'ils donnent de la bouffe, par exemple, si je fais ça? Ah oui, oui, complètement, oui, d'accord. La volaille, ok. Ok, ok. Oh, un autre coffre ici. Non, c'est ça que je voulais faire. C'était là. C'était elle. Voilà. Voilà, comme ça, tornade de feu. C'est trop classe. C'est trop classe. Ok. Attendez, mais c'est loin? Je dois aller encore loin? Non, ça va. Ah, y'a encore une étoile! J'y vais. Hello, Morfufu! C'est quoi l'étoile là? Astuce d'exploration. Ah, qu'est-ce que c'est? Anémogranum. Les anémogranum sont d'étranges esprits débordants d'énergie anémaux qui vous suivent. Permettent de réduire la consommation d'endurance. Utilisez une compétence anémo. Lorsqu'ils sont présents pour créer un champ de vent.
il y a ça. Ok. Ok, ok. Trop bien. Ravi, ravi. Ouais, ouais, on verra pour le vocal après les donjons, parce que les donjons, bon, y a pas grand chose à dire, je pense, au niveau astuces, mais par contre, après les donjons, ouais, je pense que j'aurais besoin de coups de main. Là, j'imagine que c'est le dernier, s'il y en a que 3, ou alors il va se passer un truc et on va faire le 4ème après, je sais pas. On a fait que 2, là. Enfin bon, après, peut-être qu'elle voudra aller se coucher aussi, tu me dis en t'es. What the fuck? Ça va, ça va. Ah, immunisé, bah oui, c'est normal. Ah non, mais c'est du feu du coup qu'il faudrait. Ah, faut que je teste. Oh oui, c'est pas mal. Ok. T'inquiète, j'ai encore la patate. Nice. Vraiment, elle a besoin d'aide à me dire ah oui, je pose des questions régulièrement dans le chat et s'il y a des astuces que je fais pas qui peuvent être utiles, n'hésitez pas. Là, pour le coup, ça me gâchera pas ma découverte. Non. Voilà. Elle est immunisée. Oh. Et je peux geler du feu? C'est chelou un peu. Ah non, je peux faire ça. Ah! Oh, c'est pas mal, ça fait mal ça, dis donc. Oh, c'est rigolo. Oh, j'aime bien. Ok. Lisa! Coucou petit chou! Tu vas m'aider à mon tour, c'est gentil de ta part, n'hésite pas à venir me voir si t'as besoin de quelque chose. En quoi consiste le travail de bibliothécaire? Non, hein, c'est bon, c'est gentil. Jean me fait confiance. Bah merci Jean. Je voyais aussi. Très bien. Je te fais giga confiance. Si Jean y a dit, moi je fais. À manger du lion avec du Red Bull. Ça fait en vrai, hein, ça fait combien de temps que vous avez... Enfin, pour ceux qui aiment ça, qui pourraient aimer, ça fait combien de temps que vous avez mangé un lion? Alors, pas l'animal. Je précise, la barre chocolatée. J'en ai mangé il n'y a pas super longtemps. C'est chiant à manger, mais j'ai apprécié comme les... quand je faisais il y a longtemps. Cette patate pour un daronnage. Non, mais là, on sera en chill, là. Chris qui revient, j'ai des douleurs aux articulations, c'est chaud. Est-ce que justement la température, genre te mettre au chaud ou te mettre au froid, calmerait pas ça? Si ces articulations, c'est du coup un peu osseux peut-être. Donc genre te faire un bon bain, par exemple, ou une douche très chaude, est-ce que ça aiderait pas? Là où quand c'est musculaire, c'est plutôt le froid, si je dis pas de conneries. Bah oui, ça paraît logique en fait. Mais quand même, me comporter un peu plus sérieusement. Tout à fait. Du coup, là je joue la banane. C'est vrai que c'est pas une vraie cinématique. Il y a une énergie élémentaire qui émane. Oui, tout à fait. C'est quoi comme élément, elle? C'est élément magie, quoi. Oui, oui, je connais. Ah, c'est l'électricité, elle! Ok. Non, c'est elle que je voulais. Pour des petites épées. Élément élémentaire même, c'est ça. C'est quoi ton élément? C'est l'élémentaire. Mon cher Watson? Mais j'ai la ref. Mais pourquoi? Ça
c'est ouvert. Mais moi, je veux prendre le coffre qu'il y a là. On aura peut-être un prix. Oui. Oh, mais je l'ai plus. Ah, si. Ok. Un appui long permet de charger la compétence élémentaire de Lisa. Ok. Lorsque la compétence est chargée au maximum, elle inflige de considérables dégâts. Ah, mais oui, dégâts. Électro. Sur une large zone. Ok. C'est ce qu'il va falloir que je fasse, j'imagine. Par rapport à mon syndrome, ça touche les articulations, rien n'y fait. Ça vient et ça repart. Ah ouais. Est-ce que c'est le genre de truc qui est aussi influencé par la météo, genre le taux d'humidité et tout? Je sais qu'il y a des maladies comme ça, des maladies, des syndromes, des trucs qui sont influencés par la météo. Et genre, quand il fait humide et tout, les personnes qui ont de l'arthrose, qui ont des soucis de dos, ils ont plus mal. Des soucis de hanche et tout. Elle est mentale. Elle est mentale. Elle est mentale. Ah oui, elle est mentale. J'ai même bien lu alors que je voulais pas. Bonsoir tout le monde, hello Kenji. Je préfère le compter. Ouais, compter. Oh, carrément, carrément. Attends, non, mais je veux viser ça. Je veux viser l'eau. Comment je fais pour viser l'eau? Ah, comme ça. Ça marche pas. Attendez, j'essaye. Hein. Non, mais je veux pas viser l'eau. Mais c'est de l'eau. Attends. Ah! C'est pas tranquille, j'apprends. Est-ce que je peux choisir où elle vise? J'aimerais bien. Ah, faut que je charge. Arrête! Oh! Casse les couilles. Ah! Arrêtez! Je peux pas viser l'eau. Mais comment je fais pour électriser l'eau? Électrifier l'eau? Franchement. Hello Princesse Talia! J'ai beau venir une fois tous les 6 mois, t'es toujours sur des jeux que j'adore à chaque fois. Oh bon merci, c'est cool. Ah bah je change beaucoup de jeux. Donc il y a moins d'avoir des surprises. Mais si ce jeu j'accroche un peu, j'espère y retourner régulièrement quand même. Les ennemis sont déjà humidifiés, ouais, je m'en suis rendu compte après. Y'a des petits coffres cachés dans ces trucs-là, possible, non? Bon, si je vais de ce côté-là. Y'a moyen qu'en vrai, en faisant le tour, j'ai un mur invisible. Et voilà. Ah, elle revient d'elle-même, me dis donc. Je peux pas escalader, ok. Oh bah je pensais que ça ferait mieux. Non, c'est pas lui que je veux, c'est... Ah bah si, c'est elle. Voilà, c'est plus rapide. Ah! Attendez, faut que j'essaye. Il faut que je fasse genre... ça. Ah! J'ai le temps. Arrête! Mais arrête! Je veux taper! Je veux charger mon coup! J'arrive pas, hein! Attendez. Je vais faire un petit coup de... Attendez. Je vais faire un petit coup de ça. Je vais faire un petit coup de ça. Lui, il a... Ah non, il a pas... Je sais plus. Je croyais que j'avais réussi à avoir un autre shield. J'aimerais bien qu'elle fasse son ulti, ça m'aurait arrangé, mais je pense que je l'ai pas assez bien monté avant sur les salles d'avant. J'ai trop changé de perso.
coup j'aurais pu voir son ulti mais non. Mais non en fait Je peux descendre? Ah oui. Je saurais pas comment remonter. Oh si, je saurais comment remonter, vas-y. Vas-y, je suis un peu coincé, je crois. Bon, je vais respawn, c'est pas grave. Non, pas toi. Toi, lui, j'aime pas. Non, j'aime pas. Faut que je fasse un truc. Il faut juste que j'interagisse. Ah mais peut-être avec le pouvoir de... Hein? Non non je voulais pas. J'ai fait quoi? J'ai fait une mauvaise touche. Attends. Ouais, comme ça. Non, c'était simple. J'ai paniqué mais c'était simple. Mais c'est ok. C'est géré. Oh. Oh mais c'est comme l'intro. Non pas vraiment. Enfin, un peu. Et du coup y a pas de coffre caché. Veille toi, bah ouais, ça fait plaisir de te voir, princesse. Du coup, aficionados de Genshin aussi, tu connais le jeu de trop bien ou pas? Merci beaucoup, Elena Erwen. J'adore dire ce pseudo. Bon, c'est peut-être Elena Erwen, c'est possible. Moi, j'aime Elena Erwen, tu me dis. Merci. Merci beaucoup. Et la physique de la robe avec le vent. Comme on dit, c'est un jeu chinois. Ah et puis c'est bon, hein. Vous avez assez de jeux où vous pouvez voir des culottes. Ah. Ah. Défi terminé, nice. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire une petite dédicace à Elena, tu faisais quoi? Si vous voulez bien. Hello HS 82 200. 2000 c'est bien. J'ai rajouté un zéro. Tous, je pense, des... Ah, je crois qu'elle a dit Barbatros. C'était pas loin d'Albatros, j'ai aimé. Mais j'ai spammé. Terme terreur, ça s'appelle en réalité Dvalin. Comment ça va? Eh ben écoute, ça découvre Genshin. Et toi, comment tu vas? La campagne de coffre du... Ah oui, d'accord. Oh oui, on était sur la même ambiance, quoi. Déduis le dragon de l'Est avant que tout le monde ne se mette à l'appeler le Terme terreur. Seulement capable d'utiliser des pouvoirs d'autres vents, mais pas le sien. Peut pas utiliser ses propres vents. Parce qu'il se consume depuis le début. Mais pourquoi? Je pense qu'il est rongé par la haine. Ah bah oui. Envers Mondstadt. Qui a fait de lui Storm Terror une créature encore plus puissante que les vents lui-même. Attendez, faut que j'en fasse la voix de Pimon. Je ne comprends pas. N'était-il pas censé protéger Mondstadt? Un peu. Cette histoire est difficile à raconter pour les habitants de Mondstadt. Tiens, tu peux lire ce qui s'est passé il y a quelques siècles par toi-même. Oui, j'avoue, renseigne-toi, hein. Un peu. Merde. Joli chapeau, la dame. Elle a tout qui est joli. Bon, tous les personnages sont jolis, de toute façon. Disons que j'ai un peu perdu ma vie dessus, quelques dizaines, centaines, plutôt d'heures dessus. Niveau 57. Ok, je m'en rends pas du tout compte. Mais... Bah c'est un jeu addictif, donc c'est vrai que bah s'il fonctionne, bon bah t'es addicté, tu vois. Complètement addicté, quoi. Du verbe addicté. Lisa! Ok! On a terminé. Les élus élémentaires et les lignes énergétiques de Mondstadt devraient retourner à la normale. Attendez, j'ai mis de l'écho. On devrait aller voir les chevaliers. Si les chevaliers se débrouillent, qu'en penses-tu? Tu as d'autres choses à faire avant. Je veux bien t'accompagner. Est-ce que je peux dire non? En fait, nous avons ramassé des animaux pollus dans un des quatre temples, non? Tu en trouveras sûrement d'autres à l'avenir, alors garde bien les yeux ouverts et n'oublie pas de les donner en ouvrant nos statues, d'accord? Moi.
D'accord. Incroyable. C'est Legit le jeu le plus chronophage auquel j'ai joué. C'est vrai. Alors, j'ai pas joué à beaucoup de jeux extrêmement chronophages, mais quand même. Mais je pense que dans mes exemples, j'aurais genre du Planet Zoo, Animal Crossing, des jeux très chronophages. Mais c'est vrai que... Et puis bon, j'ai eu un petit côté New World à un moment. Mais voilà, New World, c'était en plus, c'était juste pendant, allez, 2-3 semaines, quoi. Donc c'est vrai que je m'en rends pas compte, mais j'ai en témoigna ma modératrice qui me dit que c'est en train de lui manger sa vie actuellement, donc c'est qu'effectivement ça doit être assez efficace. Toi tu as pas testé le Vroom. Bah le Vroom, moi j'ai testé perso, j'ai testé Mario Kart. C'est chronophage aussi. Bref, vous pouvez augmenter votre niveau d'aventure par les moyens suivants. Terminer des quêtes, trouver des coffres, obtenir des succès de votre guide aventurier, activer des fleurs, des lignes énergétiques. Des fleurs, des lignes énergétiques. L'XP d'aventure que vous obtiendrez vous permettra d'améliorer votre niveau d'aventure. Dans ce vaste monde, de nouveaux défis apparaissent également lorsque le niveau d'aventure augmente. Le niveau d'aventure, c'est le niveau total en gros, c'est ça ? J'ai pas... Enfin, je connais, voilà. Je comprends pas encore trop le vocabulaire du jeu. Je suis à 57. La limite, c'est 60. Elle a pas augmenté récemment, par exemple ? Genre, vu qu'il y a eu des nouveaux contenus et tout. Niveau chronophage, ça se pose là, et pour tourner en rond, en plus. Bah après, bon, il y a différents niveaux, mais je trouve qu'il y a des jeux qui te... qui sont plus faits pour être chronophages que d'autres. Et typiquement... les jeux de gestion simulation, je trouve qu'ils le sont faits pour ça. Et les jeux type MMO. Alors, c'est pas un MMO, mais il a, je trouve, une manière, une approche un peu de MMO, ce jeu-là. En te faisant plein de trucs journaliers, tout ça, je pense, des trucs comme ça, voilà. 60 depuis le début, ok. Pour le personnage, c'est 90. Ah, d'accord. Vous pouvez augmenter votre niveau d'aventure, le moment suivant, ok. Eh ben, ok. Et d'aventure. Je vais vite fait en profiter pour faire un tout petit pissou à Rimworld. Bah, gestion simulation. J'ai dit gestion simulation, tu vois. Même si Rimworld, c'est encore plus que ça, mais voilà. Je vais en profiter juste pour faire un petit pipi et je vais vous mettre, voilà, un joli écran. Voilà. Comme ça, c'est Mimi. Je vous dis à tout de suite. J'en ai pour une minute. Je vais en profiter pour mettre... Hop. N'oublie pas les pubs au cas où. Ouais, comme ça c'est fait. Je mets les pubs quand je vais faire un pipi, comme ça vous les avez plus après pendant un petit temps. Voilà. La pub, oui, vous voulez... C'est fou. Je mets qu'une minute, bon, ça veut dire qu'on aura 20 minutes de tranquillité après. C'est pas énorme, mais c'est toujours mieux que rien, mais sinon c'est 2 minutes 30, faut peut-être pas déconner. Voilà. Petite minute et j'arrive. À tout de suite. Je mange mon gâteau et celui-là vous.
Alors, qu'est-ce que vous racontez? Comment ça évadouiller? Cette même team, si seulement je savais ce qui m'attendait derrière. Mais c'est pour ça que je vais, je pense, me poser en vocal avec Anté pour qu'elle m'explique un petit peu la suite. Oh, j'ai pas arrêté la VOD. Ah mince. Bah, je vais l'arrêter maintenant, des bisous la VOD. Et tant pis. Je l'arrêterai avant, faudra que... Oh, fais chier, faudra que je fasse un montage, bon c'est pas grave. Au revoir la VOD.